Mes hommes sûrs, mes femmes sûres, merci d'être là. Souba. Ouais, direct là. Partagez, mes hommes sûrs, mes femmes sûres, partagez. Là, on fait un rumba. Sous. Partagez, mes hommes sûrs, mes femmes sûres. Quoi? Je suis contente de vous retrouver. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Petit retard, pardonnez. Ok. Danser avec moi. Le son est propre. Le son est propre. Ferragola, il va tuer. Il va tuer. Oh, excusez-moi. Il a oublié mon affiche, excusez-moi. 2 secondes. Oui, on dit quoi mes hommes sûrs? On dit quoi mes femmes sûres? Je suis contente de vous retrouver comme ça. Je suis très contente de vous retrouver. Vous attendez comme ça. Vous attendez comme ça. Oh, c'est-à-dire qu'il était 13h30 là même, il y en a même qui se disaient, mais elle fait quoi même celle-là? Elle fait quoi? Hein? Toujours en train d'être en retard cette dame-là, elle commence à nous énerver. Excusez-moi, c'est comme ça. Quand vous attendez trop aussi là, ça me retarde, parce que vous m'attendez trop. Le sujet d'au-delà, c'est pas bon, c'est un sujet de la mort. Voilà, ça veut dire que du côté de Paris, du côté de la France, demain le 23 mars, il aura une soirée dansante, rumba live. C'est-à-dire que ceux qui aiment la bonne musique là, ceux qui aiment la bonne musique, qui aiment la rumba, demain, le 23 demain, à partir de 21h, du côté de Courbevoie, c'est à Paris, à Courbevoie, il aura la rumba en live, s'il vous plaît. On ne met pas CD et puis on écoute, non. C'est-à-dire que là, les gens vont chanter en live. Et puis on va danser. On va écouter de la bonne musique. On va manger. On va boire du champagne. On va boire. C'est-à-dire que ce que tu veux boire, tu bois. Mais tu es là et puis tu écoutes de la bonne musique. Ça, c'est demain du côté de Courbevoie. Je vous donne l'adresse. L'adresse, c'est le 18 rue Baudin. 92 400. Courbevoie, c'est l'espace Rastignac. Espace Gratignac. Ça veut dire que... Ah, j'ai oublié de mettre le lien, mais je vais mettre ça tout à l'heure. Demain, faites vos réservations. En fait, il faut réserver. Parce que c'est une soirée rumba. Ça veut dire que c'est une soirée classe. C'est des personnes classe, les personnes responsables qui seront là-bas. Faites en même temps votre réservation. Si vous voulez faire votre réservation, merci d'appeler au 06 13 29 18 87, je répète, 06 13 29 18 87
ou le 07 53 82 21 84 ou le 07 53 82 21 87 84 pardonnez. Demain, les amis, moi je serai là-bas. Parce que moi j'adore la rumba, j'adore ça. Donc demain là, je serai là-bas. C'est-à-dire que si tu es du côté de Paris, si tu es du côté de la France même, pas seulement à Paris, tu es du côté de la France, si tu as envie d'écouter de la bonne musique, tu as envie d'écouter de la rumba, tu as envie de voir ta coche choco, ta coche champagne, tu as envie de la voir là, il faut venir demain. Viens demain à Courbevoie. Viens demain. Oui, on va se faire. On va danser comme ça. Je vous attends demain. Hein? Je vous attends demain, mes hommes sûrs. Je vous attends demain, mes femmes sûres. S'il vous plaît. Tenue correcte exigée. Ça veut dire que si tu veux venir à la soirée rumba, il faut que tu t'habilles bien. Parce que c'est la rumba. Donc, si tu t'habilles mal, arriver devant, on ne te laisse pas entrer. Devant, là, on ne te laisse pas entrer. Je préfère vous dire. Parce que n'allez pas dire que, ah, la coach Amon Chic dit, il y a la rumba, il y a la soirée dansante rumba. Du côté de Courbevoie, je vais partir. Si tu vas là, que ton pantalon est en bas de tes fesses là, que ton caleçon est dehors là, tu rentres pas, hein? Tu rentres pas. Donc, il faut que tu sois soigné. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois bien habillé. Ta chérie bien habillée. Et puis, vous rentrez. Ben, il aura des responsables. Il aura des... C'est-à-dire que les personnes responsables, les personnes classe. Oui, c'est ça. Donc, demain là, s'il vous plaît, on dit 21h. Ben, nous les Noirs, quand on nous dit 21h là, c'est là on va s'emmener à 23h. Non, non, non. 21h, là, tout le monde est en place. Donc, si tu veux, tu peux être là à 20h pour prendre ta place. Comme ça, tu t'assois à ta place. On vous a dit 21h. Ne vous emmenez pas à minuit, 23h, s'il vous plaît. Soyons un peu ponctuels. Respectons un peu les choses. C'est-à-dire que tu as payé, tu viens à l'heure, tu t'amuses. Vous avez compris? C'est demain. Il n'y a pas une autre date. C'est demain. C'est-à-dire que demain, là, à partir de 21h, si tu es à Paris, tu es en France, va pas ailleurs. Va pas ailleurs. À partir de 21h, il faut que tu te retrouves du côté de Courbevoie. Il faut que tu te retrouves à la soirée dansante. Rumba. Live, s'il vous plaît. Je vous donne encore les numéros pour que vous puissiez appeler. Si vous voulez plus d'informations pour faire des réservations, si vous voulez savoir des choses, et ne vous inquiétez pas, au niveau du parking, le parking est balèze. Ça prend plus de 400 voitures. Donc, si tu viens, si tu es véhiculé, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète même pas. Ta voiture sera là, garée là, bien. Classe chic. Voilà, il y a un voiturier qui va venir, qui prend ta clé, qui prend la clé de ta voiture, qui va garer ta voiture. Voilà, quand tu finis de danser, c'est de 21h à l'aube. De 21h à l'aube. C'est-à-dire que moi-même là, demain là, si... Là-bas, là, pour que je quitte là-bas, là, ça sera vers les 4h. Il y a quitté là-bas vers les 4h du matin. À 21h, moi, je suis calé. Il y a dansé jusqu'à 4h du matin. Donc, venez à danser. Vous allez voir comment votre coach Choco danse la rumba. Comment il a fini, elle danse. Je vous attends demain. Hein? Réservez vos places. Réservez. Réservez vos places, s'il vous plaît. Réservez. Faites beaucoup de réservations. Venez demain, on va s'amuser. Il fait chaud dans le cercueil. Il fait très chaud dans le cercueil. Vous avez vu l'affiche? Vous avez vu les affiches là? Vous avez vu les affiches? Ça, c'est pour demain. C'est pour demain. Ça va te. Ça va te. Vous avez vu? En plus, il aura le giga méga anniversaire de deux dames, deux grandes dames. Oui, ici à Paris. Amélie et Betty. Demain là, c'est leur anniversaire. Mes chéris, demain là, on va se faire en champagne. Bah, l'anniversaire là, ça n'arrive pas à tout le monde. C'est une grâce. Quand tu fêtes un an de plus, c'est une grâce. Donc, ma chérie, Amélie et Betty, mes chéris, Amélie et Betty, demain, on va se faire la rumba là-bas. Votre anniversaire, on va anniversaire là-bas. On va se tuer là-bas. Moi, je viens à mon cadeau, hein. Je viens à mon cadeau, ne vous inquiétez pas. Parce que quand on dit anniversaire, là, il y a des gens, ils vont venir, ils viennent sans cadeau. Ils vont venir, ils vont s'asseoir là sans cadeau. Quand on dit anniversaire, là, bon, c'est-à-dire que vous qui payez, vous qui voulez venir écouter la bonne musique, les cadeaux d'anniversaire, là, ce n'est pas exigé. Mais pour les personnes qui connaissent Amélie et Betty, quand vous venez là, ayez au moins un petit cadeau pour leur donner. Même si vous voulez même acheter un petit parfum même, déodorant, mais mettez emballé puis envoyez. Ben, nous, les Noirs aussi, on aime trop ça. Quand on va à anniversaire, jamais on envoie cadeau. On va même, il y a quelqu'un à coucher, on va à baptême, jamais on a cadeau. On est là comme ça, je ne sais pas à quoi on sert. Donc voilà,
C'était une parenthèse. C'était une parenthèse, les amis. Pour ceux qui viennent de prendre, pour ceux qui viennent de me prendre en ligne, merci d'aller sur ma page. Vous allez voir les affiches avec toutes les informations dessus, avec tous les numéros dessus. Vous avez compris? C'est demain, 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 demain. C'est pas après-demain. C'est demain, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la soirée de demain, là. Ça veut dire que faites votre programme. Dites-vous que demain, demain soir, là, vous serez du côté de Courbevoie. C'est vers la défense. C'est vers la défense. C'est à la défense même. C'est à coller à la défense. Donc, venez, on va s'amuser. Vous avez compris? Mes hommes sûrs, mes femmes sûrs, à Bisouo, on va se rumbaptiser. On va se rumbaptiser. On va écouter Ferré Gola. On va écouter Fali Mpoupa. On va écouter plein de personnes. Oui, la vraie musique. La musique classe. La musique des chocos. La musique des hommes responsables. La musique des femmes responsables. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment avoir une foufoune propre et bien serrée. Comment avoir les doigts top, rajeunissants. Et les mains top, rajeunissants. Et les pieds top rajeunissants, c'est ça le thème d'aujourd'hui. Par là, il faut qu'on parle de ça. Parce que dans les foyers là, on a des problèmes d'hygiène. Des problèmes d'hygiène. C'est-à-dire que ça ne va pas dans les foyers parfois parce que la foufoune là, l'odeur, ce n'est pas ça. Parce que la foufoune là, quand on rentre là-bas là, il y a trop d'eau. Il y a trop d'eau. Parce qu'on dit là-bas là, ça doit être mouillé. La foufoune là, elle doit être mouillée, c'est vrai. Mais pas trop. Pas trop. C'est-à-dire que quand c'est mouillé là, c'est mouillé un peu seulement. Parce que là-bas, ça doit rester mouillé. Mais quand il y a trop d'eau, quand il y a beaucoup d'eau là-bas, là, c'est pas bon. Parce qu'il y a des femmes, malheureusement, après la maternité, qui ont beaucoup d'eau là-bas, dans leur foufoune. Elles ont beaucoup d'eau. Donc, ça fait que le gars, quand il rentre comme ça, le monsieur, quand il rentre, ton chéri, il rentre comme ça, pour t'emmener au là-là, ça fait blou, 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 blou. Ça y est, ça pète. Ça pète, la foufoune pète, le bijou pète, c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, c'est pas pour dire que tu as gâté le coin. Tu n'as pas gâté le coin. Vous venez de commencer. Vous venez de commencer. Le gars, il commence à rentrer. Il rentre net, il fait un va, deux viens, un va, deux viens. Ça commence. Toi-même, tu es en bas, tu es gêné. Tu es en bas, tu es gêné. Tu sais même pas comment faire. Tu serres tes cuisses comme ça pour ne pas que ça fasse du bruit. Mais bruit là, ça fait. Bah, il y a trop d'eau là-bas. Il y a trop d'eau là-bas. Oui. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des astuces. Des astuces pour ne plus qu'il y ait l'eau là-bas. Là-bas, là, ça doit être bien. Et puis, comment là-bas va être bien serré? Parce que quand le gars rentre là, parce qu'il y a des gens qui pensent que, il y a des gens qui pensent que c'est enfant qui grossit, qui rend là-bas là, l'âge. Enfant ne rend pas là-bas là, l'âge. Là-bas, là, ça ne devient pas l'âge. Quand tu, si tu veux, même faut faire 5 enfants. Toi, là-bas, là, si c'est bien entretenu, là, ça reste comme ça. Serré comme ça. Oui. Très serré. Donc, faut pas te dire que parce que j'ai 2, 3, 4 enfants, si mon là-bas là, est large, c'est normal. Non, c'est pas normal. Hein. C'est pas normal. Et puis quand il y a trop d'eau là-bas, là, ça rend là-bas large. Pas quelque chose qui est beaucoup mouillé. Donc c'est large. C'est très large. Donc ça fait que quand le gars rentre, il dit, mais mon mousseau là-même, son truc, son là-bas est trop large. Son là-bas est trop large. Et puis toi-même, la go, même tu es en bas, tu sens rien. Tu sens rien. Le gars, il t'envoie les pendés. Les pendés, ils t'envoient les pendés, mais tu sens pas. Il y a trop d'eau. Il y a trop d'eau, ça touche pas le bobo doumant. Pas le bobo doumant qui est là, là, il faut que souvent aussi on touche. C'est-à-dire que quand on touche un peu ton bobo doumant aussi, c'est bon. Ça te pique et puis, ça te pique et puis c'est de toute façon là. Donc ça aussi, c'est important. C'est important, mes chéris. Donc je vais vous montrer les produits qu'il faut utiliser. Je vais vous montrer les produits qu'il faut utiliser. Vous voyez ça? Ça s'appelle détox aux herbes. Détox aux herbes. Vous voyez? Je vais, de toute façon, quand je vais finir le direct, je vais mettre tous les produits là. Je vais mettre ça sur ma page. Et puis, avec le site où vous allez aller acheter. Tout ça, je vais vous donner tout à l'heure. Je vais mettre le lien, tout à l'heure sur le site. Pour que vous puissiez aller commander. Vous allez cliquer sur le lien et aller directement commander vos produits. Vous voyez ça? Ça, on appelle ça du botox, du détox aux herbes. Ça, là, comment ça s'utilise? Vous savez, c'est des feuilles. C'est des feuilles. Des feuilles secs. Des feuilles sèches. Avec des tiges secs dedans. C'est mélangé. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, vous faites bouillir de l'eau. De l'eau chaude.
pas de l'eau tiède, hein, de l'eau chaude. Vous faites bouillir de l'eau chaude. Vous mettez dans votre bassin. En fait, le bassin, je l'ai pas là, mais tout à l'heure, je vais vous mettre. Vous allez commander, ne vous inquiétez pas. Attendez, je vous montre le bassin, mes chéris, mes femmes sûres. Je vous montre. Votre coach est là. Votre coach Choco. Votre coach Champagne. Votre coach Caviar. Votre coach L'Excellence. Il n'y a pas aucun. Ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir la foufoune là. Bien serrée, bien propre comme ça. Vos maris, ils vont être dingues de vous. Attendez, vous voyez, ça c'est la bassine. Ça c'est le bassin. C'est le bassin pour faire ton bain vaginal. Mais ça, vous allez commander sur le site. En ce moment, ils sont en rupture de stock. Mais ça va arriver. Il aura l'arrivage la semaine prochaine. C'est-à-dire que là, pendant une semaine, ils sont en rupture de stock. Parce que ça marche trop. Ça marche trop. Ça là, si tu as, toi une femme, faut avoir ça. Faut que tu aies ton bassin vaginal là, ça là. Il faut que tu aies. Il y a des gens, ils sont tes femmes, mon truc, vont m'appeler. Il faut que tu aies ça. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, ça veut dire que cette feuille là, tu prends un peu comme ça, pas beaucoup, hein, un peu, dans l'eau chaude là. Tu mets dans le bassin. Et puis tu mets dans l'eau chaude là. Tu attends un peu. Pendant 5 minutes. 5-10 minutes. Pour que les feuilles et les plantes là, pour que ça rentre bien dans l'eau. C'est-à-dire que pour que l'eau prenne bien le jus. Maintenant, quand tu attends 5-10 minutes là, par exemple, si l'eau chaude là, tu allais mettre ce produit là, tu as mis ça dedans. Que tu allais t'asseoir automatiquement sur l'eau chaude là. Ah, ma chérie, c'est brûlé, tu vas avoir, hein, ça va brûler tout en bas là-bas. Donc, quand tu mets le produit là, tu mets les feuilles là, tu attends 5 minutes, 5-10 minutes. Maintenant, après, tu t'assois dessus. Quand tu t'assois dessus là, la vapeur rentre dans ton ventre. Ça rentre bien dans ton ventre. Le site, c'est Sublime Forever. Sublime Forever. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de regarder. Si vous voulez aller vite faire voir, je vous donne le site tout de suite. C'est www.sublimeforever.com. Le site, hein? C'est www.sublimeforever.com. C'est ça le site, si vous voulez vous affairer. Mais il y a mettre le site tout à l'heure. Ma chérie, s'il te plaît, mets le site, mets les informations en commentaire pour que mes femmes sûres regardent, pour commander leurs produits. Donc, ça veut dire que quand vous mettez les feuilles, les tiges dedans, après vous asseyez, vous attendez 5 minutes, 10 minutes, vous asseyez. Quand vous asseyez là, toute la vapeur rentre dans le ventre. Quand ça rentre dans le ventre là, ça rentre, ça nettoie tout là-bas. C'est-à-dire que même dans ton ventre, ça nettoie. Ça nettoie les parois, tout. Et puis tout coule comme ça. C'est-à-dire que toi-même, quand tu es assise comme ça là, sur l'eau chaude là, tu es assise sur l'eau là, l'eau où tu as mis le produit là, toi-même tu sens qu'il y a des trucs qui tombent, qui descendent comme ça, de ton ventre, de ton là-bas là, de la foufoune là. Tu sens qu'il y a des choses qui descendent. Il y a des choses qui descendent. Tu t'assois, tu te lèves un peu, tu t'assois, tu te lèves un peu, tu t'assois. Maintenant, quand tu finis là, ça là, tu fais ça une fois par semaine. Une fois par semaine. Ça veut dire que si tu n'as pas de problème, si tu as juste envie d'entretenir là-bas, si tu as juste envie que là-bas soit bien sec, bien propre là, tu fais une fois par semaine. Maintenant, pour les femmes qui ont des soucis, ça veut dire que celles qui ont des odeurs, celles qui ont beaucoup de pertes, pas les pertes qui sont là, quand c'est pas blanc, ça fait peur. C'est pas bon. Il faut que les pertes là, il faut que ça soit blanc. Ou bien il faut pas qu'il y ait d'odeur. Mais quand tu as des pertes, et puis c'est pas blanc, c'est un peu jaune façon, et puis c'est une forte odeur là, c'est pas bon. C'est que tu es infecté, tu as des petites infections. Donc c'est ce produit là, tu vas utiliser deux fois par semaine. Deux fois par semaine, tu t'assois dessus, tu fais ton bain vaginal. Vous avez compris? Mais si tu n'as pas trop de problèmes, que tu veux juste entretenir là-bas pour que là-bas soit top là, tu fais une fois par semaine. Vous avez compris? C'est-à-dire que maintenant là, les produits chimiques, tout ça là, ça sert à rien de les utiliser. Ça c'est bio. C'est des feuilles, c'est des plantes. C'est bio. Il n'y a pas d'effet secondaire. C'est propre, c'est nickel. Ça te nettoie proprement. Je vous dis les amis, j'ai essayé. C'est ce que j'utilise. Mais je vous dis que je ne regrette pas. C'est top. C'est top. Je ne regrette pas. Donc, commandez. Vous avez compris? Ok. Maintenant, il y a un autre produit. Excusez-moi. Mais
Le petit produit est passé. Il y a un autre produit. Ça, ça c'est le détox vaginal. Ça, c'est comme tampon. Ça, c'est comme tampon. Mais pourquoi mes commentaires là, je ne vois plus? Ça vient en bas seulement, ça ne vient pas en haut. Voilà. Ça, vous voyez? On appelle ça détox vaginal. Détox vaginal. En fait, c'est comme le tampon. C'est-à-dire que quand tu es indisposé là, quand tu es indisposé là, le truc, tu prends et puis tu mets à l'intérieur là-bas là. Tu fous ça là-bas pour que ça, tes règles viennent dedans. Là. C'est comme ça. Attendez, je vous montre. Il y en a trois dedans. Il y en a trois. Donc, je vous montre un. Tu prends, tu ouvres comme ça. Vous voyez, les amis? Ça, c'est des feuilles. Des feuilles et puis des tiges qu'ils ont mis. Vous voyez la boule là? Voilà. Donc, cette boule là. En fait, cette boule là, c'est très important ça là. Ce que je suis en train de vous montrer. Ça, c'est très important. Lui, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça veut dire que lui là, il t'enlève, Dieu, vous savez, les myomes. Parce qu'il y a des femmes qui ont des myomes. Ça veut dire que ces myomes là, même quand on opère, ça repousse. Quand on opère, ça repousse. Les myomes, c'est quoi? C'est les petits frères du fibrome. C'est les petits frères du fibrome. C'est-à-dire que quand tu as des fibromes là, les fibromes là, c'est gros, gros, gros. Mais les myomes là, c'est petit, petit. C'est-à-dire que ça pousse petit, petit. À l'intérieur là-bas, ça pousse petit, petit. Maintenant, quand on opère, ça repousse. On opère, ça repousse. Donc ça, ça va éviter que ça repousse. Ça va retarder carrément. Ça va enlever tout même. C'est-à-dire que tes myomes ne vont même plus pousser, repousser. Et puis ça, quand tu mets à l'intérieur, ça coupe tout ce qu'on appelle eau. C'est-à-dire que de toute façon, il y a l'eau là-bas. Là. S'il y a beaucoup d'eau dans ta foufoune, là, tout ça s'arrête. Les odeurs, ça, c'est-à-dire que lui, il te nettoie même en profondeur. Parce que lui, comment on l'utilise? Lui, on l'utilise comment? C'est-à-dire que tu prends un verre d'eau tiède ou bien froide, et puis tu laisses dedans. Tu laisses dedans pendant 10 minutes, 10 à 15 minutes, parce que c'est des feuilles, pour que ça se ramollisse. Voilà, comme ça, ça se ramollit. Et quand 10 minutes après, tu prends et puis tu mets à l'intérieur. Tu mets à l'intérieur, tu mets dans ta foufoune là-bas, tu mets ça au fond. Ça, tu laisses ça pendant 3 jours. Lui doit rester là-bas pendant 3 jours, dans la foufoune là. Il doit rester pendant 3 jours. C'est-à-dire que quand tu fais ta toilette là, tu nettoies la surface. C'est tout. Mais ça, ça va rester là-bas. Ça reste dans la foufoune là-bas pendant 3 jours. Pendant les 3 jours là, lui te nettoie tout. Il t'enlève toutes les impuretés. Il t'enlève tout l'eau. Il rend là-bas là bien sec. Et puis, ça sent bon. C'est-à-dire qu'il met une bonne odeur dans ton truc là-bas, dans la foufoune. Ça, tu gardes ça pendant 3 jours. Ça, c'est très important. Si tu es une femme, tu as des problèmes d'odeur. Si tu as beaucoup d'eau, si tu as l'impression que là-bas est trop large. Parce que souvent, après la maternité, parfois, on sent qu'on est large. Donc, si tu sens que là-bas est un peu large, c'est plus comme avant. Ça ne sert plus comme avant là. Ma chérie, faut prendre ça. Voici le secret. C'est trop efficace. Ça là, c'est trop efficace. C'est-à-dire que il y en a trois dedans. Tu prends un, tu mets à l'intérieur, tu fous ça bien au fond là-bas. Tu laisses ça à l'intérieur pendant 3 jours. 3 jours après, tu le retires. Quand tu le retires, tu fais ta toilette. Tu attends 24 heures, c'est-à-dire le lendemain là. 24 heures après, tu dors, tu ne mets pas. L'autre jour, quand tu te réveilles là, 24 heures après, tu reprends encore une boule. Tu reprends une boule. Tu mets dans de l'eau tiède ou de l'eau froide. Tu laisses ça pendant 10 minutes. Et puis tu prends, tu remets. En fait, ça, il y en a trois dedans. Pour que tu sois bien traité, pour un bon traitement, il faut utiliser les trois. Mais les trois que tu utilises, c'est-à-dire que quand tu introduis un, tu attends 3 jours, tu le retires, 24 heures après, tu prends encore un autre, tu remets. Tu attends 3 jours, tu le retires, 24 heures après, tu remets. Ça veut dire que le traitement, il y en a trois. Quand tu utilises les trois là, quand tu as fini d'utiliser les trois là, ma chérie, tu vas m'appeler. Tu vas m'appeler. Non, j'ai dit que c'est la magie. Ça là, c'est la magie. J'ai dit que ton là-bas là, ça devient serré comme ça.
La foufoune est serrée comme ça. Et puis, ça sent bon comme ça. Toi-même, tu sens que... Et puis, c'est sec. Parce que vous savez, nous, les femmes, parfois, quand on s'habille, on porte notre string, on porte notre culotte et tout, quand on le retire après, on voit que c'est mouillé. On voit que c'est mouillé. Parfois, ce n'est pas les pètes blanches. Non, c'est la transpiration. Parce que ça transpire aussi. Là-bas, là, ça transpire. Donc, c'est la transpiration. Mais celui-là, lui, t'enlève tout ça. Tu ne transpires plus. Là-bas, là, tu ne transpires même plus. C'est sec. Bien. C'est-à-dire que ça reste mouillé, c'est qu'il faut. Le peu que tu dois avoir pour que là-bas soit mouillé, là, c'est ce qui reste. Mais tout ce qui est excédent, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas normal, là, lui, t'enlève tout. Les amis, les filles, il faut que vous preniez ça. Il faut que vous preniez ça. En fait, c'est un ensemble. C'est un complet. Il faut que vous preniez ça. Si tu as un problème, ma chérie, il faut que tu prennes ça. Tu as trouvé comme ça ton secret. C'est ton secret qui est là. Tu vas voir que dans ton foyer, toi-même, tu seras heureuse. Tu vas voir que dans ton foyer, toi-même, tu seras épanouie. Parce que maintenant, tu vas être bien. Quand tu seras en train de t'emmener oh là là avec ton mari, toi-même, tu seras à l'aise. Quand tu seras en train de t'envoyer oh là là avec ton chéri, toi-même, tu seras à l'aise. Ça veut dire que tu vas plus te gêner. Pas elle là-bas là. Ça va être propre, nickel. Et puis ça là, ça veut dire que quand tu enlèves comme ça là, quand tu finis de faire ton soin, ton traitement, il a dit, ton là-bas là, façon ça devient propre. Façon ça devient petit. Façon ça devient propre là. Il a dit, ton chéri même là, même si tu es sorti, tu t'es lavé le matin, tu es parti au travail et tout, tu es sorti, tu es allé faire tes courses, et puis tu rentres à la maison. Et puis ton mari veut te faire une surprise. C'est-à-dire qu'il te prend comme ça en Ariano. Il veut te prendre là en Ariano. Tout de suite là. Pa. Tu vas pas dire non chérie, attends, il allait me laver. Non. Lui là, lui ne connaît pas ça. Il ne connaît pas, attends, il allait me laver. Lui-même, il fait que toute la journée, tu es propre. Toute la journée là-bas est sec. Toute la journée, c'est clean. Ça sent bon. Donc, c'est-à-dire que si ton chéri te prend tout de suite là, qu'il veut te faire un wano là, ton cœur ne bat pas. Ton cœur ne bat même pas. Il te parle en même temps. S'il veut même, il n'a qu'à descendre à la cave. Ça sent bon. Ça sent très bon. Tu n'as pas besoin d'aller te laver. Tu n'as pas besoin de prendre une lingette pour te nettoyer. C'est propre au quotidien. C'est frais au quotidien. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. La dernière fois, je vous ai dit. Il a dit, mes chéris, là-bas, là, ça doit rester serré. C'est très important. Ça doit rester serré. C'est-à-dire que dans le fait de foufoune, là, il n'y a pas âge. Foufoune, là, il n'y a pas âge. Il n'y a pas à faire de dire, oui, j'ai 40 ans, donc ma foufoune là, ça doit ressembler à 40 ans. Non, non, non. Foufoune là même, c'est-à-dire que quand tu utilises, tu nettoies bien, tu entretiens bien là, ta foufoune là, même à 40 ans, on dirait foufoune de 15 ans, on dirait foufoune de 14 ans. Parce que c'est serré comme ça. C'est-à-dire que le moron même, quand il rentre là, il rentre difficilement. Il ne peut pas rentrer sans lubrifiant, il n'a pas peur de ça. Sans lubrifiant, il ne peut pas. Il va chercher le lubrifiant, il va mouiller avant de rentrer. Ben là-bas est serré comme ça, puis là-bas est bien sec. Quand on dit sec là, pas sec sec, c'est un peu mouillé, c'est qu'il faut. Mais c'est bien, c'est-à-dire que quand il rentre là, ça le porte comme ça. Ventouve, ça aspire comme ça. Lui-même il rentre difficilement comme ça, il se dit, ma femme là-dedans, non, la femme là elle s'entretient. Pas, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, mais rien à la foufoune. Rien à la foufoune. On dirait même pas qu'elle en fait enfant, ma femme là. Non, elle me plaît trop. Elle me rend trop fou. C'est ça. C'est ça, mes chéris. C'est important. Et puis, c'est des plantes. C'est des plantes. Il n'y a pas d'effet secondaire. C'est bio. C'est bio. Vous avez compris? Donc, n'ayez pas peur. Ce n'est pas de produits chimiques. Non. Avant, même nos parents d'avant, là, c'est les feuilles qu'ils utilisaient. C'est les plantes qu'ils utilisaient pour faire leur toilette. Nos mamans d'avant, nos grands-mères, là, elles utilisaient des plantes. Elles utilisaient des feuilles pour faire leur toilette. Elles étaient toujours propres. Elles étaient toujours nickel. Voilà, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, là, ceux qui comprennent, qui ont compris aujourd'hui, là, ils n'achètent plus les produits chimiques. Maintenant, là, ils sont dans les feuilles. Ils sont dans les plantes. Parce que c'est ce qui est bio. Il n'y a pas d'effet. C'est propre et puis c'est efficace. Vous avez compris, mes femmes sûres. Vous allez aller sur le site tout à l'heure là pour commander. Le site, c'est www.sublimeforever.com. Le site, c'est www.forever.com. Pardonnez, www.sublimeforever.com. C'est ça le site, les filles. Et puis,
Je vais vous montrer ça. Ça, c'est le gel intime. Ça, c'est le gel intime quotidien. C'est quotidien. Ça veut dire que ça là, ce traitement-là, détox vaginal, pour le tampon, ça veut dire pour bien nettoyer là-bas, là, ça là. Il y en a trois dedans. Ça, tu utilises ça trois fois. Quand ça finit là, c'est bon. Quand ça finit là, c'est bon. Parce que ça va faire le travail, ça va bien nettoyer. Maintenant, pour ta toilette quotidienne, ça veut dire que pour nettoyer tous les jours pour nettoyer là, matin et soir, deux fois par jour, ça c'est le gel intime. C'est le gel intime. Ça veut dire que, vous voyez, ça mousse. Vous voyez, ça mousse. C'est pas les liquides simples, c'est pas les liquides bizarres là, tu vois. Vous voyez comment c'est moussant. Voilà, vous voyez comment c'est moussant. C'est-à-dire que quand vous pressez comme ça, là, quand vous faites comme ça, puis vous mettez dans votre paume, là, ça mousse comme ça. Et puis quand vous nettoyez, là, ça nettoie bien. Puis, c'est une bonne odeur. C'est une bonne odeur. Ça sent un peu, ça sent du frais. Il y a un peu du citron dedans. Ça sent du frais. Donc, ça fait que le bijou, là, il sent bon comme ça. Bah, tu utilises ça tous les jours. Tous les jours. Ce n'est pas pour dire qu'il faut utiliser ça une fois par semaine. Hein. Non. Celui-là, tu l'utilises tous les jours. Matin, quand tu te laves, là, tu utilises. Le soir, quand tu te laves, tu utilises. Voilà. Ça fait que là-bas, là, ton ici, là, tout est nickel. Tout est propre. Maintenant, tes soins que tu fais, là, là-bas, là, tout est nickel. Tout est propre. Et puis, ça rend là-bas serré comme ça. Serré. C'est-à-dire qu'en plus de tes contractions vaginales, par exemple, contractions vaginales, là, moi, je vous dis ça toujours. Ça, là, n'oubliez pas. N'oubliez pas. La contraction vaginale, n'oubliez pas. Ça, c'est quelque chose que vous devez faire tous les jours. Tous les jours que Dieu fait toi une femme, tu dois contracter ta foufoune. Tous les jours, tu contractes ta foufoune. Tu contractes ta foufoune. En plus de ça, tu fais tes soins. Tu fais tes soins. Ça fait que ton là-bas est bien. Et puis ça là, le gel intime quotidien là, que tu vas utiliser tous les jours pour bien nettoyer là-bas là. Ça là, quand tu prends et puis tu utilises devant là, tu nettoies bien devant là. Tu prends aussi et puis tu nettoies entre les fesses. Pas entre les fesses là. Parce qu'il y a des femmes, là, elles oublient entre les fesses. Elles font leur toilette, mais entre les fesses, là, elles laissent. Entre, c'est là-bas même qui est gâté. Entre fesses, là. C'est-à-dire que entre tes fesses, là, quand tu ne nettoies pas bien, c'est pas bon. Quel que soit ce que tu vas faire devant ici, là. Même si devant est propre, mais derrière, là, son odeur va venir rattraper pour devant. Son odeur va venir rattraper pour devant. Voilà pourquoi je vous dis, vous les femmes, je dis quand vous êtes en train de vous laver, l'éponge que vous prenez pour vous laver, vous finissez de laver tous vos corps. Vous lavez tous vos corps. Quand vous finissez de laver vos corps, là, vous prenez l'éponge là, en dernière position. C'est-à-dire que ton là-bas, là, entre tes fesses, là, tu dois laver ça en dernière position. C'est-à-dire que quand tu finis de laver tout ton corps, et puis vous les femmes, surtout vous qui avez déjà enfanté, toi une femme, quand tu as déjà fait enfant, quand tu es en train de te laver, quand tu prends éponge pour te laver, c'est-à-dire que tu commences par le haut. Quand tu finis de laver le haut, que tu descends là, ton éponge là, tu dois plus faire remonter. Tu ne dois plus faire remonter. Parce que c'est ça là qui gâte sain. C'est ce qui fait tomber sain. Et puis ça fait tomber sain très mal. Quand une femme se lave, et puis elle finit de se laver en haut, elle descend, elle lave ses pieds, elle lave en bas de son pied tout. Elle reprend l'éponge là encore, et puis elle remonte, elle lave en haut sa poitrine. Ça là, ça fait tomber sain. Ça fatigue sain. Ça fatigue sain. Donc quand vous lavez, vous les femmes, si vous avez fini de laver en haut, vous commencez par le haut. Quand vous finissez de laver le haut, quand vous descendez avec l'éponge, il ne faut pas que l'éponge remonte. Non, 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 c'est pas bon. Vous avez compris? Donc, faites très attention. Tout ça, c'est des détails, mais ça compte. C'est des détails, ça compte. Si toi, une femme, tu veux garder ta peau fraîche, si tu veux garder ta poitrine fraîche, c'est-à-dire qu'une poitrine, une belle poitrine, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je vous dis, une belle poitrine, la femme, quand on dit une femme a une belle poitrine, c'est pas la poitrine qui est levée. Non, c'est une poitrine qui est ferme, c'est une poitrine qui est lourde. C'est ce que je vous dis toujours. Voilà pourquoi toi, une femme, quand tu es en train de même te laver, c'est-à-dire que ton comportement, il faut que tu changes. Il ne faut pas te dire que c'est juste, je suis en train de me laver, je peux me laver n'importe comment. Non, non, non. Non, on est des femmes. On est des femmes. Donc, quand tu laves en haut, là, toi en bas, quand tu commences à laver, là, il ne faut plus remonter. C'est fini. Quand tu laves en bas, c'est fini. Tu te rinces et puis tu sors de là. Vous avez compris? Tout ça, c'est sur le site. www.sublimeforever, le sublime là, c'est le sublime sans E. Quand vous mettez sublime, c'est sublime sans E. Voilà, c'est dit que S-U-B-L-I-M
Forever, Forever, c'est forever.com. Vous partez commander. Ça aussi, c'est en rupture de stock. Le gel douche, là, le gel intime, il est en rupture de stock. Mais il sera là, il y a l'arrivage, il sera là dans une semaine. Vous aurez le bassin, le bassin, le gel douche, tout ça, ça sera sur le site. Mais entre-temps, le plus important, ça, le plus important, allez commander en même temps, dès maintenant. Ça aussi, allez commander. Je vais mettre tout ça sur le site tout à l'heure, quand je vais finir. Vous allez aller commander. Vous avez compris? C'est important, mes soeurs. On ne laisse plus comme ça. On ne laisse plus comme ça. Parce que toi, une femme, quand ta foufou ne sent pas bon, toi, une femme, quand il y a beaucoup d'eau dans ta foufou, toi, une femme, ça veut dire que quand ton mari est en train de t'envoyer, oh là là, et puis c'est pas trop bon, c'est pas trop doux, là. Quand il va dehors, là, il devient fou. Quand il va dehors, là, il est fou. Parce que quand il va dehors, là, celle qui va aller mougou dehors, là, celle qui va envoyer, oh là là, dehors, là, elle, sa foufoune, là, ça sert comme ça, et puis ça sent bon, et puis c'est propre. Donc, lui-même, là, même quand il finit de faire ça dehors, et puis il rentre à la maison, là, toi-même, il n'a même pas envie de te toucher. Quand tu dis j'ai envie de toi, il dit je suis fatigué. Il dit je suis fatigué. Pourquoi il est fatigué? Parce que toi, ta foufoune, là, quand il rentre, là, il y a trop d'eau. Ou bien quand il rentre, il y a des odeurs. Ou bien quand il rentre, ça pète. Ça pète, ça fait poudou, poudou, poudou. Ça pète trop. Donc, il n'aime pas. Tu es sa femme, mais il n'aime pas t'envoyer oh là là. Parce que là-bas, c'est pas top. Mais tu as eu un enfant. Tu as eu deux enfants. Mais le monsieur, il peut même plus même te prendre pour te faire des choses. C'est-à-dire que tu as fini de faire enfant, là. Quand il te prend, il veut t'emmener oh là là, on dira même que ton truc, là, a changé. Ça devient bizarre. Le goût n'est plus ça. Ça le prend plus. Ça le sert plus. Donc, ça ne lui donne pas envie de toujours te fatiguer. Un homme dans ton foyer, il doit un peu te fatiguer. C'est-à-dire qu'un mari même, un mari qui est fou de sa femme, quand ils sont couchés dans le lit, là, il doit toujours la fatiguer. C'est comme ça. Mais quand tu es couché avec ton mari dans le lit, et puis il ne te fatigue jamais, lui-même, quand il est couché, il tourne le dos. Toujours, c'est lui, il se couche, il tourne le dos. Ça, là, ce n'est pas bon. Hein? Femme, quand ta foufou n'est bien propre, quand ta foufou n'est bien nettoyée, quand c'est bien doux, là, le gars même, là, il toujours est dans tes reins. Hein? C'est toi-même qui lui dis, je suis fatigué. Toi-même, tu lui dis, je suis fatigué. Non, 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 aujourd'hui, là, je ne veux pas. S'il te plaît, c'est quoi? Tu es devenu lapin? Tu es devenu lapin, tu es dans moi comme ça tous les jours. Je suis fatiguée, chérie. Toi aussi. Faut te calmer. C'est comme ça. Par elle, là-bas, là, c'est bon. Là-bas, là, c'est doux. Et puis, c'est propre. Par elle, là-bas, là, quand c'est bien entretenu, c'est bien propre, là. Quand garçon rentre, là, c'est doux, on dirait miel. C'est doux, on dirait miel. C'est-à-dire le goût qui le traverse, là, ça traverse sa nuque. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, les femmes. Il dit, quand ton là-bas, là, quand c'est bien nettoyé, là, quand toi-même tu fais ton sport vaginal, ça veut dire que tu fais ta contraction et puis tu utilises les produits que je vous ai montrés, là. Quand tu fais ça comme ça, ton mari, même là, quand il rentre dans toi, là, ton goût, là, on dirait miel. On dirait qu'une magie. On dirait sucre. Et puis, il y a un côté amer. Un côté piment, façon pimentée dedans. Il ne comprend pas. Le goût, là, ça commence vers ses fesses là-bas. Et puis, ça remonte vers sa nuque. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, quand ton mari l'entend te prendre, quand le goût est trop fort, là, il pense qu'il a bobo douman. Il pense qu'il a bobo douman. Parce qu'il y a appui. Il y a quelque chose qui pousse vers son anus là-bas. Ça pousse comme ça. Donc, il ne comprend pas. Il dit, mais mon anus, ça me fait façon. On dirait qu'il y a bobo douman. Ce n'est pas bobo douman. C'est l'excès de plaisir. Excès, on appelle ça excès de plaisir. C'est-à-dire que c'est trop doux. C'est-à-dire qu'il est en train de t'envoyer, oh là là là, mais il y a un plaisir qui est en train de monter vers derrière là-bas. Lui, mais il ne comprend pas. Parce que ton truc est tellement serré, ton truc est tellement propre, que lui-même, quand il rentre comme ça, là, l'effort qu'il fournit, là, ça crée encore une excitation vers son anus. Et comme c'est un homme, il ne maîtrise pas, il ne comprend pas, il pense que c'est autre chose. Entends, c'est goût. C'est goût, mes chéris. Il faut qu'on ait le goût. Il faut qu'on ait le goût. Bientôt, je vais vous présenter pour les hommes. Je vais vous présenter pour les hommes. Ben, la toilette intime, là, ce n'est pas que les femmes. Les hommes aussi. Bientôt, là, je vais vous montrer pour les hommes. Mes chéris, vous allez acheter pour vos maris. Parce que si vous voulez attendre que vos maris achètent, là, ils ne vont jamais acheter. On les connaît. Donc, vous-même, là, vous allez aller sur le site. Vous allez commander pour vos maris. Ils vont prendre ça, c'est moussant comme ça. Ils vont mettre sur leurs bijoux, là. Ils vont mettre en bas de leur bijou là, par exemple, testicule qui est là, la testicule tombe. Donc, testicule, en bas des testicules, là, quand on ne nettoie pas bien, ça sent. Par exemple, ça transpire, donc ça sent. Donc, toi, là, même quand tu veux descendre à la cave, tu veux emmener ton mari, oh là là, l'odeur même qui sort en ces testicules là, ça te décourage. Donc, tu te lèves. Tu te lèves, tu dis, chérie, c'est bon. Il te dit, mais attends, chérie, j'aime ça. Faut manger encore le truc là. Faut bien manger.
faut descendre en bas là-bas. Mais tu ne peux pas descendre en bas là-bas. Par l'odeur qui est quittée dans le testicule là. Odeur, la chaleur qui est dedans là. Ce n'est pas bon. Tout ça là, il y a des produits pour ça. Il y a des produits pour les hommes. Vous allez acheter pour donner à vos maris. Ils vont nettoyer leur truc là tous les jours. Matin, soir, ils vont bien nettoyer. Là-bas aussi là, ça va sentir bon. Ça va sentir frais. Et puis vous serez épanoui dans votre intimité. Vous avez compris mes chéris, ne vous inquiétez pas. Votre coach choco, votre coach champagne, votre coach caviar, l'excellence, il n'y a pas aucun. Oui, la coach qui a pris le pouvoir, la coach des temps modernes, la coach d'actualité. C'est-à-dire la coach en ce moment, si tu ne la suis pas, c'est que tu n'es pas actuel. Si tu ne la suis pas, c'est que tu n'es pas au 21e siècle. Oui, la coach qui va te... Elle va te... Oui, la dernière fois, je vous ai fait à Talakou. À Talakou, de Yepisanga. Mais ils sont en train de préparer mon son. Moi, je vous ai dit, elle chantait bientôt. Moi, elle chantait. Ça fait quoi? À cette chanson-là, ça appartient à une seule personne. J'ai chanté. J'ai fait sortir mon son. Vous allez acheter. Vous allez m'insulter, mais vous allez finir. Vous allez acheter, mon cher. Vous êtes mazo. Quand vous insultez, là même, c'est ce que vous aimez. Donc, là, maintenant, on va parler des mains. On va parler des mains. Voilà les mains. Voilà le produit pour les mains. Vous voyez, je vous montre. On appelle ça sublime main. Sublime main, ça c'est pour les mains. Parce que je voulais vous dire une chose, hein. Les doigts qui sont là, ça veut dire que toi, une femme, quel que soit ton beau corps, quel que soit ton tapeton, ton chocoyard, quel que soit ton patali, mais quand tes doigts ne sont pas chocos là, toi-même tu es gêné. Tu es gêné, tu es mal à l'aise. Parce que tes doigts ne sont pas chocos. Vous avez compris, les doigts, comme je vous disais la dernière fois, j'ai dit ça s'entretient. Les doigts, ça s'entretient. Il faut que vous ayez votre crème sur le site sublime, www.sublimeforever.com. Elle vend des gommages pour la main. Et ça c'est le masque. Ça, c'est le masque. C'est-à-dire que ça, tu utilises une fois par semaine. Une fois par semaine, tu prends. En fait, c'est comme un gant. C'est comme des gants. Il y en a deux dedans. Et c'est pas cher, ça coûte, on va dire, dans les 7 euros. Donc, toi, quand tu vas acheter sur le site, tu prends plusieurs. Parce que les femmes qui ont des quintos, si tu es une femme, tu as des quintos, ça là, c'est pour tout type de peau. Si tu as des quintos, si tu as des doigts, c'est-à-dire que souvent, quand tu regardes ta main comme ça, c'est froissé. Tu sens que la peau de ta main là, c'est fatigué comme ça, c'est froissé, c'est vieux. Tout ça là, parce qu'en fait, tu sais pas. C'est pas que tu sais pas qu'il y a des masques rajeunissants, il y a des gommages rajeunissants. Donc ça, c'est un masque. Tu prends ça, tu utilises une fois par semaine. C'est-à-dire que quand tu prends là, c'est comme un gant. Tu mets ça comme ça, c'est comme des gants. Tu portes et puis tu restes là, tu regardes la télé. Tu te mets devant la télé, tu regardes la télé, tu attends pendant des minutes. Tu laisses, ça va bien nettoyer ta main, bien nettoyer tes doigts. Enlever tous les quintos. De toute façon, la peau de ta main, la façon c'est froissé là, lui t'enlève tout. Le côté vieillissant là, tu regardes tes doigts, on dirait que tu as 90 ans là. Lui t'enlève tout ça, il détend ta peau. Bien. Maintenant quand tu finis là, tu enlèves et puis tu jettes. On utilise ça une seule fois. Tu enlèves et puis tu jettes. Et donc ça, tu utilises ça une fois par semaine. C'est-à-dire que tous les jours par semaine, toi tu utilises une fois. En plus de ton gommage, le gommage là se trouve sur le site. Maintenant, tu achètes maintenant ta crème. La crème pour la main, là. Moi, je vous dis toujours, c'est très important. La crème pour la main. Toi, une femme, tu dois avoir ta crème que tu appliques à chaque fois. Quand tu finis de préparer, quand tu mets... Parce que l'eau, à force de mettre nos mains dans l'eau, ça noircit nos peaux. Notre main, là, nos doigts, là, ça les noircit. Ça donne des quintos. Ça les fatigue, bizarre, ça les froisse. Donc, quand toi, une femme, tu es en train de préparer, quand tu finis de faire la vaisselle, quand tu finis de préparer, tu prends ta crème, tu mets... Tu prends ta crème, tu mets. C'est important. Toute la journée, tu peux appliquer ta crème main. Tu peux l'appliquer au moins 20 fois par jour. Ce n'est pas grave. Parce qu'à chaque fois, la peau de ta main sèche. Donc, tu hydrates. La nuit, avant de te coucher, tes doigts là, il faut que tu mettes ta crème. Et puis, j'ai oublié de vous dire, les amis. Vous savez, ce produit-là, où je vous ai dit... Je vous ai dit, il y a trois dedans. Et que quand on met dans la foufou, il faut attendre 3 jours. Mais c'est sur 3 séances. Donc, ça veut dire que 3 jours, tu attends 1 jour. Tu refais encore 3 jours. Mais parfois, si tu es une femme, tu es mariée, tu es une femme, tu es en concubinage, c'est-à-dire que si tu dois utiliser tous les 3, ton mari va gonfler son nez. Il faut que tu joues ton rôle de femme.
Donc, ça veut dire que toi, une femme, si tu as appliqué ça, que tu as fait 3 jours, que tu as enlevé 3 jours, tu as fait ta toilette là, tu peux donner un wano à ton mari. Tu peux attendre, tu peux faire une pause. Si ton problème n'est pas trop sérieux, tu peux faire une pause. Tu attends 2-3 jours pour bien gérer ton mari. Tu lui donnes les wano, tu le prends bien. Maintenant, quand tu finis, tu sais qu'il est rassasié pendant 2-3 jours là. Tu reprends ton traitement. Vous avez compris? Mais si tu es une femme, que tu as des problèmes sérieux, tu as des myomes, tu as du fibrome, tu as des odeurs là-bas, il y a trop d'eau là-bas, tu sens des odeurs, tu n'es pas bien, ça transpire, toi, il faut respecter. Il faut respecter, il faut attraper ton cœur. C'est-à-dire que quand tu mets les 3 jours et puis tu enlèves là, les 1 jour tu dois te reposer là, il faut donner à ton homme. Il faut donner les 1 jour à ton homme. Maintenant, le 24 heures après là, tu recommences. Ça, c'est très important. Ça, c'est quelque chose de très important, mes femmes. Mes femmes sûres. Il faut que vous ayez ça. Vous avez compris? Donc, j'avais oublié ça. C'est pour ça que je suis revenue là-dessus. Donc, vous avez compris pour les mains, mes chéries. Parce qu'il y a des femmes qui rentrent dans mon inbox. Elles me disent, ah, coach Amon Chic, on aime tes doigts. Tu as des doigts bien clean, tes doigts bien propres. On sent, il n'y a pas de quinto. C'est bien hydraté. Ta peau est bien hydratée, tout ça. Je dis, ne vous inquiétez pas. Je vais faire un direct un jour. Je vais vous dire ce que j'utilise. Donc, c'est ça. Moi, c'est ce que j'utilise. Ça, là, ça ne manque pas dans ma maison. Ça, là, ça ne manque pas dans ma maison. Une fois par semaine, je porte mes gants. C'est des gants. Je porte. Je reste là au moins pendant 15, 20, 30 minutes. Je suis devant la télé. C'est-à-dire que quand je vois que je n'ai plus rien à faire, je suis devant la télé le soir, là. C'est ce que je mets. Et puis, j'attends. Après, je vais me laver. Ça fait que la peau de mes doigts, tout est bien hydraté. C'est important. Vous avez compris, mes femmes sûres. Vous allez partir sur le site www.sublimeforever.com pour commander pour vous, mes chéris. Pas ailleurs, aucune adresse. C'est là-bas seulement vous partez commander. Parce que c'est là-bas que j'ai essayé. Ce sont ces produits-là que moi j'ai essayé. Donc, si vous partez utiliser d'autres produits, ne venez pas dire que je vous ai donné de mauvais conseils. Ne venez pas dire que je ne vous avais pas dit. Je vous ai dit, moi c'est ce que j'utilise là. Moi, avant de faire la publicité de quelque chose, j'utilise. Pour voir si c'est efficace. Donc, j'ai utilisé. Et j'ai vu que c'est efficace. Voilà pourquoi je vous recommande ce site-là. Maintenant, si vous partez ailleurs, que ça se passe mal, je ne suis pas dedans. Maintenant, on va passer aux pieds. On va passer aux pieds. Les pieds, c'est important. Il y a des femmes, elles sont dans leur foyer, là. Leurs pieds, là. Grillage même n'a rien fait. Grillage n'a rien fait. Le pied est grrr, comme ça. Grrr. C'est-à-dire que quand tu es couché, elle est couchée quand le monsieur même veut aller caresser un peu le pied là. Ça la déchire en même temps. Ça le déchire en même temps. Tellement que le pied est sec. Tellement que le pied, il y a la peau qui a poussé dessus. Le pied est trop sèche. Le pied est trop bizarre. C'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui pensent que le pied, c'est pas important. Le pied, ça fait partie de la séduction. Une femme, c'est-à-dire qu'avec son pied, elle peut prendre pour séduire son mari dans le lit. De toute façon, elle va prendre son pied pour caresser son mari là. Tout ça, ça fait partie de la séduction. Donc, si tu es une femme, que tu as des problèmes de pieds, tes pieds là, tu fais tout, mais c'est toujours sec. Tu fais tout, mais ça gratte. Tu fais tout, c'est fendu, fendu, déchiré, déchiré là. Ma chérie, dès maintenant là, il faut que tu saches que ton problème est fini. Ton problème est fini. Ton pied va plus gratter. Ton pied va plus déchirer ton drap. Ton pied va plus être cassé, cassé, cassé. Parce que pied cassé, cassé là, c'est autant de la préhistoire. Autant de la préhistoire, les femmes, elles avaient les pieds très cassés. Parce qu'elles marchaient sans chaussures. Et puis les hommes aussi, mon cher. Eux, tous, ils se tuaient dans les odeurs là-bas. Ils se tuaient dans les trucs là-bas. Tellement qu'ils étaient naturels, mon cher. Donc, ça, là, c'est autant de la préhistoire. C'est fini. Maintenant, là, on est au temps où il y a tout. On a tout fait pour que nous, les femmes, on soit clean. On soit propre. Pour qu'on soit irréprochable. Donc, si tu es une femme, tu as des problèmes de pieds. Si tu utilises les crèmes, mais c'est toujours le même problème. Tu vois que ça ne s'arrange pas là. Il faut arrêter les crèmes là. Va commander ça. Va commander ça. On appelle ça Sublime Pied. Sur le site là, ça s'appelle Sublime Pied. Tu vas, tu commandes. Ça ne coûte rien. C'est dans les 7 euros et quelques. Donc tu prends plusieurs. Parce que c'est une fois par semaine. C'est comme des gants. C'est aussi comme des gants pour les pieds. C'est comme des chaussettes. Voilà, donc tu prends, tu portes comme des chaussettes. Et puis tu attends. Tu attends au moins 15, 20 minutes. Si tu veux même, il faut attendre 30 minutes. Et puis après, tu t'en te laver. Lui, en fait, il fait tomber tes peaux mortes là. Les peaux mortes que tu as sur le pied là, lui, il tombe. Quand tu finis de faire ça là, les jours après là, ça tombe. Et puis quand tu vois que c'est en train de tomber là, il ne faut pas aller prendre les ponces là, les trucs cailloux, les trucs hein, pour venir gratter. Hein. Non, non, non. Ce n'est pas la peine. Lui, il fait ça naturellement. Lui seul, il te nettoie le pied. C'est-à-dire que
Les pommettes là, ça tombe petit à petit, ça tombe. Et puis après, tu vois que tes pieds sont nickel. Tu n'as pas besoin d'aller gratter. Quand tu vois que les peaux sont en train de tomber, là, faut pas aller prendre quelque chose pour gratter. Laisse ma chérie. Lui, il va faire lui seul son travail. Il connaît ça. Il connaît ce qu'on appelle secret des pieds là. Vous avez compris, mes chéris. Allez payer pour vous. Comme ça, c'est bientôt l'été. Vous allez porter vos sandales. Vous aurez des pieds nickel. Des pieds propres. Très propres. Pas la plante de tes pieds là. Il faut que ce soit un peu clair. Oui. Et puis derrière ton pied là. Derrière ton pied là. Pas être derrière le pied là. Ici là. Derrière le pied ici là. Souvent, tu as une belle peau, mais derrière ton pied là, il y a une couche noire comme ça. Il y a une couche noire, tu ne comprends pas. Tu mets une pommade, tu te rends bien, tu t'entretiens. Mais derrière ton pied, la plante de ton pied là, derrière ici là, il y a une couche noire, toi même tu ne comprends pas. Tu dis, mais je vais faire comment pour enlever ça là? Ça là, lui, il t'enlève ça. Il t'enlève cette couche là. La couche là, quand tu achètes ça là, la couche tombe. La couche tombe, la peau là, ça quitte. Ça quitte, ton pied devient nickel. Ton pied devient propre. La plante de tes pieds, la peau de tes pieds là, tu vas voir, la peau devient belle, fraîche. Belle, fraîche. Toi-même, tu regardes ton pied, même tu es contente. Vous avez compris, mes femmes sûres. Aujourd'hui, là, on est au 21e siècle. Une femme doit s'entretenir. Une femme doit avoir ses petits secrets pour rester toujours belle, pour rester toujours propre. C'est très important, mes chéris. Comme ça, nos maris, là, ils vont nous aimer encore plus. Nos maris, là, ils seront collés. Ils seront collés parce qu'eux-mêmes, là, leur cœur, là, ça va faire boum, boum. Et même quand tu es avec ton mari, que tu fais plusieurs enfants, mais quand ton mari même voit que tu es toujours pata, quand il voit que tu es toujours belle, quand il voit que ton là-bas, là, ta foufoune, là, c'est toujours bien serré, c'est toujours bien propre, là. Ma chérie, lui-même, là, il a peur. Lui-même, il a peur. Il sait que lui-même, il ne peut pas avoir comportement bandé con sur toi. Ben, il sait que même malgré tes 3-4 enfants, là, tu es opérationnel, tu es toujours au top. Si l'affaire est vraie, là, quelqu'un d'autre va venir te prendre. Et puis quelqu'un même mieux que lui va venir te prendre. Donc lui-même, quand il va savoir ça, là, ma chérie, il va être au pas. Il va être au pas. Ben, il sait que tu es top. Soyez des femmes top. Des femmes fatales. Une femme fatale, tout ça, ça fait partie de la femme fatale. Son intimité. Son hygiène intime, là. C'est important. Vous avez compris? Mes femmes sûres. Mes hommes sûrs. Oui. Vous avez été très nombreux. Vous avez attendu ce thème-là comme ça. Vous avez été très, très nombreux à être devant le direct. J'en suis ravie. Je suis très contente. Ça veut dire que vous êtes des femmes, vous voulez vraiment faire du plaisir à vos maris. Vous voulez être des femmes top. Vous voulez être des femmes irréprochables. Et ça, je suis très contente. Le site, je vous redonne le site. Le site, c'est www.sublimeforever.com. www.sublimeforever.com. C'est ça le site. Le site pour aller commander vos merveilles, pour aller commander tous vos produits. Quand vous partez, vous prenez détox aux herbes. Ça, c'est pour le bain vaginal. Après, vous commandez détox vaginal. Ça, c'est le tampon que vous allez mettre. Il y en a trois dedans. Le tampon que vous allez mettre, il y en a trois. Quand vous utilisez, vous mettez un, ça fait trois jours, vous enlevez. Vous attendez un jour. Le deuxième jour, vous remettez encore, ça fait trois jours. Ça, il y en a trois dedans. Quand tu finis d'utiliser les trois, là, ma chérie, toi-même, là, tu vas créer yes. De toute façon, ton là-bas, là, va serrer, là. Bon, on dit, il faut mettre bicarbonate pour que ça serre. Il faut mettre citron pour que ça serre. Tout ça, là, c'est toxique. Tout ça, c'est toxique, ma chérie. Et puis, souvent, même, tu vas voir, même, ça ne serre pas. C'est-à-dire que quand tu prends bicarbonate comme ça, ou même, tu prends citron. Et puis tu mets sel dedans, et puis tu mets là-bas. Quand tu finis là, ça sert. Les petits cailloux blancs là. Il y a des petits cailloux blancs comme ça. On dit qu'il faut prendre ça, ça fait. Ça sert là-bas. Mais tout ça là, quand tu prends là, tu as l'impression que ça sert. Mais quand le gars te prend là, quand il veut rentrer là, ça sert. Mais une fois qu'il fait 2-3 mouvements, quand tu es un peu mouillé là, ça devient encore blacata. Ça devient encore lâche. Tu te dis, mais attends. Pourtant, il a utilisé petit caillou là. Pourquoi ça sert? Ça sert pas. Parce que c'est pas efficace. Voilà ce qui est efficace. Lui là, lui, il rentre dans ton sang là-bas. Il rentre dans ton sang là-bas. Et puis, c'est des feuilles. Il dit, ça sent frais comme ça. Donc, ça fait que ton là-bas, là, il y a une odeur. Il y a un parfum. Ton là-bas sent bon. Ça sent des feuilles. Ça sent la fraîcheur. Ça sent le printemps. Vous voyez, quand là-bas sent le printemps, c'est le gars même, là, il sent des fleurs. Il sent les fleurs. Quand il est là-bas, là, il sent les fleurs. Quand il descend la cave, là, c'est les fleurs, il sent. Quand vous prenez pour vous emmener au là-là-là, quand il finit, vous finissez de frapper le haut là-là-là. Le gars même, quand il est couché, là, il n'a pas besoin d'aller se rincer. Garçon, ça veut dire que garçon, quand il finit de faire le wano, il finit de prendre son pied. Il finit de faire le haut là là.
Et puis ça sent bon là. Et puis toi, la femme même, tu es impecte là. Il va même pas dans la douche. Il est couché à côté de toi. Il est couché à côté de toi. Et puis là, il va chercher causerie. Ça, c'est garçon qui est satisfait. Les hommes, quand ils sont satisfaits, quand vous vous emmenez au lala, et puis ils sont satisfaits là, quand ils finissent, ils sont couchés dans le lit. Ils sont couchés dans le lit, ils prennent un petit truc là, ils essuient un peu leur truc, et puis c'est tout. Ils ne vont pas dans la douche. Parce que ça sent bon. Garçon, quand il court pour aller dans la douche là, c'est pas il y a odeur. Donc, il s'en lave ça. Il s'en lave bien là, pour ne pas que l'odeur la rentre dans son nez. Mais garçon, quand c'est propre là, lui, il ne se couche pas. Il ne va pas aux toilettes. Il cause avec toi, ma chérie. Il envoie les causeries. Oui, avant de dormir, il te dit que Dieu te bénisse. Que Dieu te protège. Oui, que Dieu te protège. Ça, c'est les hommes qui sont satisfaits. Les hommes qui sont satisfaits, c'est-à-dire que quand leur femme, là-bas, leur foufoune, là, c'est bien propre, bien entretenu, ça sert comme ça, là. Ils sont tellement contents. Quand ils finissent comme ça, ils disent que Dieu te protège. Père, ma chérie, là, faut que Dieu te protège. Tu coûtes trop cher pour lui. Il n'a même pas envie même que tu restes dans le sommeil, là. Il n'a même pas envie que tu tombes malade. Père, goût qu'il y a dans ta foufoune, là, le goût qu'il y a dedans, là. Ah, il prie pour toi, ma chérie, faut vivre encore. Père, tu fais des merveilles. Tu fais des merveilles. Une femme même, c'est-à-dire une femme même qui est propre. Une femme même, sa foufoune sert. Une femme même, sa foufoune sent bon. Elle n'a pas besoin de savoir faire les roucascas. Elle n'a pas besoin de ça. Tu as fait quoi, les roucascas? Quand ton labeur est top, là. Oh, si tu veux, il faut faire tuer moi. Mais le gars, là, il dit, plaisir qu'il prend dans toi, là. Il n'y a pas aucun. Parce que c'est doux. C'est doux comme ça. Ça sert, on dirait, crampon. Même si vous avez mis lubrifiant. Là-bas, là, c'est lubrifié, non? Mais ça le sait encore. C'est lubrifié, c'est mouillé. Père, vous êtes en train de faire, toi-même, ça te fait des effets. Donc, tu mouilles. Mais ma chérie, même dans ça, là, ça sert. Il sent ça comme ça. Oui. Lui-même, quand il sort, là, il dit, ouais, je suis sorti dans quelque chose. Je suis sorti dans quelque chose. Oui. Et puis, vos maris, quand ils sont en sortie, quand ils finissent comme ça, ils sont en sortie, là. Père, l'homme, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Il dit, toi, un homme, ton mari, quand il finit son guano, là, quand il finit son wano là, il est couché sur toi. Garçon, ça veut dire que garçon, quand il prend son pied, garçon, quand il est satisfait là, quand il finit comme ça, il finit de gâter le coin là, il se lève pas tout de suite, il se couche un peu, il se repose un peu sur ta poitrine. Ça, c'est garçon qui est satisfait ça. Maintenant, quand il se repose là, sur ta poitrine, ma chérie, tu commences le travail, on appelle ça ventouve. Tu commences à, tu attrapes comme ça son bijou là, ça a fini de gâter le coin, c'est mort, c'est dans ton truc là-bas. Mais tu sers ça quand même, puis tu lâches. Tu sers et puis tu lâches. Tu sers et puis tu lâches. C'est-à-dire que lui-même, il est couché sur toi là. Il a déjà gâté le coin. Mais de toute façon, tu sers et puis tu lâches là. Le sperme qui est resté au fond, dans son bas-ventre là-bas là. Il dit, quand tu sers et puis tu lâches comme ça là, il fait ça. Et puis ça descend comme ça. Le peu qui est resté là-bas là, ça descend. Il fait ça. C'est-à-dire que là, il a fini de gâter le coin. Il a connu goût de ça. Mais quand tu sers à la fin là, c'est-à-dire quand il finit quoi, puis tu fais, tu sers avec le bijou là, tu sers ça quoi, puis tu lâches. Tu sers et puis tu lâches là. Quand tu fais ça là, il y a un deuxième goût qui vient après. Ça, c'est un deuxième goût qui vient après. Ça là, c'est malade. C'est-à-dire qu'il est couché sur toi quoi, puis c'est doux. Il est couché quoi, puis ses nerfs là, les nerfs de sa tête là, tout en train de se concentrer comme ça. Il a des contractions, son anus, là, il sert ça comme ça. Père, goût qu'il y a dedans là. C'est-à-dire, ce que tu es en train de faire là, le goût qu'il y a dedans là, ça ne connaît pas, mes chéris. Oui, tout ça là, c'est les produits qui font ça. C'est les produits qui font ça. Père, nous les femmes, on fait enfant. On fait comment? On va faire enfant. Nous, on fait beaucoup de choses. On fait enfant. On tombe enceinte. Quand tu es enceinte là, il y a des ouvertures. Tu vas aller faire enfant. Tu vas finir de faire enfant. Tous les mois, tu as tes menstrues. C'est-à-dire que nous les femmes là, on a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent. Donc, si on n'entretient pas la foufoune, si on ne prend pas soin de nos foufounes, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Les petites filles, là, elles vont nous tuer. Les petits gars, là, la nouvelle génération, elles vont nous tuer. Enfin, nous, on n'est pas prêtes. Nous, on n'est pas prêtes. Enfin, nous tous, on est jeunes. Nous tous, on est jeunes. C'est-à-dire, dans foufoune, là, il n'y a pas à faire de 15 ans. Donc, les petites filles de maintenant, là, elles ne vont pas sauter à nos maris. Enfin, même nous, même là, en bas aussi de nous, là. C'est-à-dire, on est leur vieille mère, mais c'est serré en bas. Souvent, même nous, on est leur vieille mère, là. Mais ça sert plus que même elles-mêmes qui sont les fistines. Elles, ça, pourtant, on a fait enfant. On a fait 2, 3, 4 enfants. Mais quand on nous prend là, ça sert comme ça. Mais elles n'ont même pas encore fait un enfant là. Mais c'est un peu blagata. Tout ça là, pourquoi? Parce qu'on s'entretient. Parce qu'on prend les vrais produits. Parce qu'on prend les vraies choses pour nous entretenir. C'est ça, mes femmes sûres. Il y a fini de vous parler. S'il vous plaît, du côté de Paris,
du côté de Paris, si tu es à Paris, tu es en France, aujourd'hui là, demain, 23, s'il te plaît, ne va pas quelque part. Il y a une soirée, rumba, la musique, c'est-à-dire que la bonne musique, en plus en live, s'il vous plaît, du côté de Courbevoie, au 18 rue Baudin, 92 400 Courbevoie, espace Ratignac, il y a un parking. Le parking prend au moins 400 voitures. C'est-à-dire que quand tu arrives comme ça, tu donnes ta clé au voiturier. Le voiturier, il prend ta voiture. Il va garer ta voiture. C'est-à-dire durant toute ta soirée, la voiture est surveillée. Ta voiture est surveillée. Donc, si vous avez des voitures, n'ayez pas peur. N'ayez pas de crainte. Il y a des places pour se garer. Il aura de la bonne musique. Il aura du beau monde. Si tu as envie de voir du beau monde, toi, une femme, tu es célibataire. Tu es en France, tu es à Paris. Tu es célibataire depuis, tu es là. Faut sortir un peu. Va à la soirée rumba. Tu vas rencontrer du beau monde. Tu vas rencontrer du beau monde. Parce que c'est ça. Ça veut dire que quand tu es une femme, tu es célibataire. Quand tu es un homme, tu es célibataire. Faut pas rester fermé. Faut pas rester chez toi. Parfois, il faut aller à des soirées. Alors, quand tu entends des soirées rumba, il faut que tu saches que c'est des bonnes soirées. Où tu vas trouver du beau monde. Où tu vas trouver des personnes classe. Des personnes bien. Des personnes responsables. Donc, quand tu vas là-bas, là, tu es sûr de rencontrer une bonne personne. Tout ça, là, c'est des possibilités de rencontrer des gens. C'est important. On trouve son bonheur partout. Bonheur qui est là, on trouve partout. Là, là, tu as là, la rumba, là. Tu vas là, la soirée dansante, là. Tu as trouvé ton bonheur là-bas. C'est moi qui t'ai dit. Maintenant, ton mariage, là, tu vas m'inviter. Il est parti là-bas. Il allait manger, copain, tout ça, placali, avec une bouteille de champagne à côté. Vous avez compris? Et il y a aussi l'anniversaire, giga méga anniversaire d'Amélie et puis Betty, deux femmes, deux grandes femmes ici à Paris. Il y a leur anniversaire, ça sera pendant la soirée dansante rumba. Venez s'il vous plaît, réservez vos places. Mais dès maintenant, réservez vos places parce qu'il n'y aura pas de place. Donc dès maintenant, faites votre réservation. Alors pour vous faire votre réservation, appelez le 06 13 29 18 87. 06 13 29 18 87 ou le 07 53 82 21 82 21 84 ou le 07 53 82 21 87. Vous avez compris? Rumba boom live. Ça sera en live. La soirée rumba, la soirée dansante. Moi, en tout cas, je serai là-bas. Demain, je serai là-bas. C'est-à-dire que si tu as envie de voir ta coach choco, ta coach champagne, si tu as envie de la voir là, demain là, viens à Courbevoie. On va se faire là-bas. On va se laisser là-bas. On va écouter de la bonne musique. On va boire du champagne. On va boire. On va manger. On va parler. Vous avez compris? À bisous. À bisous. Mouah. Votre coach choco. Ah, j'allais oublier. Mon business. Il y a trois types de coaching. Trois types de coaching. J'ai un coaching par appel téléphonique, ça a son prix. J'ai un coaching par appel vidéo, ça a son prix. J'ai un coaching de rencontre, on se voit et puis on parle. Lui aussi, il a son prix. Vous avez compris? Si vous avez besoin de coach, vous avez besoin de parler. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous voulez retrouver votre confiance. Si vous êtes mal dans votre couple, vous voulez vraiment réunir votre couple, venez, prenez des séances avec la coach Choco. Elle va te faire en ce moment. Allô? Allô? Bon, il y a des gens qui m'appellent pour me faire chier. J'ai fait mon direct, j'ai été de bonne humeur. Mais il faut que vous gâtez mon humeur. Je ne comprends pas. À bisous. Rentrez en contact. Rentrez dans mon inbox pour tous ceux qui sont intéressés par le coaching, par des séances de coaching. Mon coaching dure 45 minutes. 45 minutes. Et il faut savoir qu'une séance, ce n'est pas suffisant. Donc, si tu as besoin d'aide, tu as besoin d'être coaché, il faut prendre plusieurs séances. Prends minimum deux séances. Une séance, là, ça finit. Parce que quand il vous dit, vous ne croyez pas. Il y a des gens, ils prennent une séance. J'ai dit, prenez minimum deux séances. Ils prennent une séance. Maintenant, ils sont en train de parler. L'heure est arrivée, mais c'est là, maintenant, les discours arrivent. Et puis, ils ne vont pas te quitter. Attends, j'ai déjà prévenu. Donc, s'il vous plaît, 45 minutes, ça passe très vite. Si vous avez beaucoup de choses à dire, là, prenez deux séances minimum. Sinon, vous prenez plusieurs séances. Ça serait idéal. Vous avez compris? À bisous! Votre coach choco, votre coach champagne, il n'y a pas aucun. L'excellence, j'ai tué. Yette, à bisous. Mouak. Ciao, ciao, ciao.